Nazaki, Nigeri, Nazaki. Nazaki, Nigeri, Nazaki. Talakawa, Nawala, Talakawa, Zewala. Talakawa, Nawala, Talakawa, Zewala. Salam alaikum. Moi c'est Garba, ou Rasta comme disent les enfants du quartier Saïtassam, à Niamey au Niger. Je suis couturier, mais j'avoue que je suis surtout passionné de politique et d'histoire. Et c'est Sidi Ahmed, mes copains d'enfance. Comme beaucoup de Nigériens, on écoute la radio à longueur de temps, à la recherche de notre avenir peut-être. Et on discute pendant 2 heures des politiciens du monde et surtout de notre pauvre Afrique et du Niger bien sûr. Le dimanche on va à Pulule, la plage de Niamey, le long du fleuve Niger. Le rendez-vous des amoureux. Sidi et Ahmed se disent qu'à 30 ans passés, ils ne sont toujours pas mariés parce qu'ils n'ont pas les moyens. J'entends toujours sur les ondes que le Niger est l'un des pays les plus pauvres de la planète, avec ses 16 millions d'habitants. La France nous prend notre uranium depuis 40 ans, la Chine notre pétrole, le Canada notre or. À qui le tour de main? Pourtant, quand on était petit, on croyait à l'avenir du Niger. On rêvait de devenir docteur, footballeur, professeur. Et comme on jouait souvent dans les chars abandonnés près du lac Tchad, on voyait arriver les migrants de Libye. On était fascinés quand ils nous racontaient qu'au pays de Kadhafi, tout le monde mangeait bien, vivait dans de belles maisons modernes qui donnaient à chaque Libyen. Et on était tellement fiers de Kadhafi quand il tenait tête à l'Occident. L'élection en avril dernier du président Issoufou Bamadou à la tête du Niger, la nouvelle république, la 7e et ses institutions sont-elles suffisamment solides pour éviter une autre crise politique et institutionnelle telle que le Tazarché où l'ex-chef de l'État Mamadou Tanja avait tenté de prolonger son mandat pour rester au pouvoir? En gros, la démocratie nigérienne actuelle est-elle suffisamment solide pour résister aux nouvelles tentations de confiscation de pouvoir qui pourraient germer dans l'esprit de quelques hommes politiques dans ce pays qui, en 50 ans d'indépendance, a déjà connu 4 putsch militaires et 9 chefs d'État? J'entends ça, Sidi. Compte bien. Depuis l'école, on a connu combien de présidents? 8, non? Je me souviens de la période où François Mitterrand poussait l'Afrique à la démocratie alors qu'elle n'était pas mieux. La création de partis politiques a tellement divisé les gens que deux frères se sont brouillés à vie après les élections de 93. De toute façon, la politique, c'est toujours le bazar. Déjà en 74, Kounté faisait son coup d'état. Da taxi man da wani wanzam so ka doka duka sai da jajan da ransanya ba wannan kai sai dar mizo ko ba haka ne ba program ai ta execute effectively ma ai ta ba ma mutane kawai ai ta ba su wannan serial banza je ba yanzu fa su Burkina su Mali wai duk wai har sun yi mamma wai kamar to kasan ne bai kamata ba ce sai dai yawanci duka basicin Nigeria ne suke dogara sai su. Dukkan. Hajjar wani kullum yanzu. Ba na kinan da ana jajjar yahe Nigeria.
Niger Day Development Charter. Attends. Il planifie une case. Il y a un marché. Il y a un marché. C'est Niamey qu'on nomme capitale, non? Pourtant, quand on se promène, on ne voit que des visages crispés. Les gens disent que les routes nationales ressemblent à des chemins de brousse et que les coupures d'électricité se multiplient alors que les factures ne baissent pas. Quand le ministère de la Justice a brûlé, la rumeur a murmuré qu'on y a mis le feu pour faire disparaître les dossiers de la corruption. Personne ne trouve du travail, même Sidi et Hamet avec leur diplôme n'attrapent que des contrats de rien du tout. Chacun essaie de vendre des petits trucs pour survivre alors qu'on voit des palais sortir des terres tous les jours. À Dogona, 3000. Ok, comme on y va. Je vous propose de dresser un premier bilan de l'action du président Issoufou, 9 mois après son élection. En tout cas, durant la campagne électorale, Mahamadou Issoufou a multiplié les promesses. Il s'est engagé à éradiquer la faim à travers l'initiative dite des 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, créent 250 000 emplois à la fin du quinquennat. Mahamadou Issoufou a promis d'investir dans les infrastructures comme les routes et les chemins de fer. Il s'est également engagé à développer l'hydraulique pour permettre l'accès à l'eau pour tous. L'accès à la santé et à l'éducation font également partie des priorités, sans oublier la lutte contre l'insécurité face à la montée d'ACMI. Elle est à moi. Je ne savais pas que vous possédiez un endroit comme ça, Dimitri. Je viens de l'acheter. Vous seul ? Mesdames et messieurs, la gouvernance du développement durable. Demande la promotion. Notre président, la maman Issoufou ici. Mesdames et messieurs, la promotion de la nouvelle. Comme c'est la caméra, vous avez. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de caméra. Notamment le principe des responsabilités publiques. Ça ne peut plus continuer comme ça. Vu que je ne gagne rien avec ma couture et que bientôt je ne pourrai plus payer ma part de loyer, je pars à l'aventure. Je file retrouver mes amis du désert, voir comment ils se débrouillent face au conflit libyen. J'espère qu'ils réagissent, comme ils le font toujours face aux problèmes de sécheresse et de pollution. Peut-être que je pourrais leur donner un coup de main ou démarrer un commerce. Oh,
Je vous présente Ousmane Ahia, le nez de la famille, le guide de la caravane et Alassane, son petit frère. Comment est-ce que vous avez des armes de l'Okibale maintenant? Je suis de l'Okibale maintenant. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me ndai mun ga shekara za ta yi kyau sai mu kama kuma shirye-shiryen kuma zuwa nan wurin ka gani shekara kuma ta so ta kai wayo ne ka gani na balma shine muka tashi muka gani ana yi ne kuma duk wanda ya sake shi da ya dai saki gado ne eh to kuma mu yanzu dai bamu ga abin da ya haima mun shiri ba shi ba daga shi sai kiyo amma shi wannan ba wata sana'a da gare mu wadda ta yi wannan shine muka gado kuma wannan shi ke kuma sai da ya shiga mugun hanya et voilà Jibril le plus jeune de trois frères saboda dole mutum inda bai da sana'a zai shiga wata hanya wanda bai da kiyo sai kiyo gado iyayen shi ya shiga wata hanya wanda bai ba tashi bace ba sai ta sa satin banza da wani ne ba su son wahala kuma suna son kudi ko yo yana samu kudi ba ka sha wahala yawa wannan tarabiyar ta ne re ba ra ban samu ruwan ba sai da muka yi masalar ruwa sai muka dauka wancan hanya ta yamma sai muka raba gusumcin shi yawa take ka samu amma muna ganin kasan nan tamu ta ki mu kuma muna son ta to ba mu ga alamar ci gaba ba ita ke ka samu muna so muna so kuma ta ci gaba muna so ta ci gaba amma gaban nan nata har yanzu dai yana nan yana tahiya hawai ne to kuma kaman mutanen ta ne ke hana ta cin gaba ba a shekara biyu ba a shi an ce ko an tada wata tawaye ba ko an tada wani to zama lafiya ake kowa na so ya kashe wani na zama lafiya ko a samu ci gaba nan don sabar da yanzu ka san dai kasashe
diyo wacin kasashe suna kawo ma Niger taimako amma abun nan sai a rasa yadda kullum duniyar kuka take yi suna cikin masala Niger ita ta yada kanta mu yadda muke gani ga lissafi an fi Niger maran aman nasa La caravane file doucement, jour et nuit. Ousmane, qui se repère uniquement avec le soleil et les étoiles, n'a qu'une envie. Arriver habilement, sans se perdre, ni se faire attaquer par les bandits, comme c'est arrivé récemment à leur cousin. Mu da kanmu wurin zuwa zabe inda bara ba da bara waccan ma ban taba zuwa wurin mun san tabbata ne da ma wani aiki nan ba wani amfani gare shi ba sai dai mutane da kayo din sai su ce ma haka kaza to zuwa zonan zabe to ina ganin kira biyu ko uku sun yi mamu nan amma ba su taba ba amma har yanzu ko kondala ba mu ga wurin da ta shigo ba ya wasu dama suna can kan aikin su ma ba su taba ba Yo ai shine nake ma mutumin kauye yanzu ta bakinka ka yanzu ka sai yanzu nan da kake cewa nan Niger din kuma ina ne sai ka ce a ce a zo kuma abun nan mutun ɗe ne kwashe shi ya ce canye shi kuma taimako ne akai dan tururuwa kenan lalle wani fa abu in ba tururuwa ba C'est juste avant l'oasis de Fachi que j'ai appris la mort de Kadhafi. Kadhafi, c'était notre seul espoir pour l'Afrique. C'est lui qui empêchait les islamistes d'agir en Afrique. On voit maintenant dans quel pétrin on est tombé. Vous dites que la mort de Kadhafi est une grande perte pour le continent africain. La mort de Kadhafi, sincèrement, moi, ça m'a choqué. C'est un homme bien parce qu'il a fait beaucoup. Il a vraiment construit, il a bâti des immeubles, de banques, des hôpitaux, par exemple, et des trucs de charité. La mort de Kadhafi est une très grande perte pour le continent africain parce qu'on sait que c'est lui pratiquement qui était le seul à pouvoir lever la tête et dire à la communauté internationale qu'elle a des limites, qu'elle doit s'arrêter à un certain niveau. Il a promis de mourir en martyr et c'est ce qu'il fit faire parce qu'il n'a pas fui. Ça c'est une mort, si je peux le dire, noble. Ça c'est la main invisible de Sarkozy et de l'Occident, incarnée par Sarkozy, Obama ou bien Cameron, ça c'est clair. Mais dit quand Kadhafi n'est pas là, qui va encore oser taper la table pour dire non à l'Occident? Aujourd'hui s'il n'est plus, on se dit mais qui va le remplacer? Parce qu'on le regarde d'abord comme notre papa. Je
La crise libyenne a fait du Sahel une poudrière avec l'arrivée massive d'armes, le retour de milliers de travailleurs migrants, de mercenaires. Dans une région déjà otage du terrorisme et de la contrebande, il faut surtout sauver le Niger, affirme donc Liberté, qui commence à peine à savourer sa mue démocratique. L'appel à l'aide internationale du président du Niger. Nous souhaitons une sortie rapide de la crise qui a, sur le Niger, des conséquences non seulement sécuritaires, mais aussi économiques et sociales, avec respectivement l'arrêt de la construction d'infrastructures routières sur le financement libyen au Niger, le rapatriement de Libye de plus de 210 000 Nigériens, ainsi que l'arrivée de réfugiés libyens de plus en plus nombreux, fuyant la guerre. Cet appel, quand même, interroge aujourd'hui la communauté internationale. Quelle réaction, quand même, apporter à cette responsabilité, au fond, indirecte, hein, des puissances occidentales qui sont à l'œuvre en Libye? Est-ce que les pays qui ont soutenu le nouveau pouvoir libyen sont-ils responsables des actes de ce pouvoir qui parle de l'épuration ethnique, c'est-à-dire le massacre des Noirs africains, de... Oui. Rien qu'avant-hier, un de nos collègues qui est là-bas à la Libye nous a appelé et nous a fait part de la situation qui prévaut là-bas. On est à la chasse à l'homme. Dans voiture, on vous descend en tant que Noir et en tant que même Nigérien pour vous enfermer. Je ne sais pas ce qui se passe après avec eux. Ici, on dit que l'intervention de l'OTAN en Libye a détruit toute la vie du peuple du Sahel, car presque toute la nourriture venait de Libye et pas chère. Et maintenant, on ne peut même pas acheter. Ah,
Après un mois de silence, mon téléphone capte enfin. Mon ami Moha, que je n'ai pas vu depuis une éternité, me dit qu'il vient me chercher. Les jeunes épuisés par la caravane me demandent de les amener avec moi en ville pour que je les cherche un boulot. Je vous présente mon ami Moha Maka. Mais je ne peux pas m'empêcher de rire quand je le vois dans sa djellabia du politicien. À 45 ans, on dirait qu'il a déjà tout fait. Des études coraniques en Égypte, de l'informatique au Niger, du commerce en Afrique de l'Ouest, plusieurs années en Europe, les rébellions Touareg de 90 et 2009. Et maintenant, Excellence M. Moha est chargé de mission auprès du Premier ministre. Militant du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, actuellement au pouvoir. Un bon politicien, assisté de son élu local, il demande aux caravaniers qu'il a fait voter pour son parti leurs problèmes. Il leur conseille de créer une association pour obtenir des aides. Maintenant, par exemple, tu fais un accident, un riche. Tu tues quelqu'un, tu payes le nombre de chameaux qu'on t'a, qu'on t'a infligé, c'est fini, tu t'as vu que tu gardes. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais